Ndiara ma musibe fulbe gine gine la hiro kala ka wonti ba ndera na na ko la re do wat golo life do me melane gude hadi ko joni ni mi fini yo andiano ngolle nyol me ene ngolle nyol fulbe kume ngari me wola ni ondo wo hole me onti ki wola 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 ha ron ka onna nata mi ali dunge pula ha mi ronke buyi na wam nan ta pula buyi na nan ta mi nan ta pula mi hala ni on e pudal pula mo hida ali ma hangi wa wata ma hidu gol hande eske dun ko ko sadi ko nuvo teno ko wono wono ide do e ore ye deje hoje ore presidential dale bengu ma ko dun ko nuvo te ne kute men pa sa. Avant de juger quelqu'un, il faut te juger toi-même d'abord. Avant de te juger quelqu'un, il faut te juger toi-même d'abord. Il faut avoir ton casier judiciaire vierge. Il faut avoir un CV de ta vie propre. Les gens qui viennent de démagogues comme ça, l'argol ou l'ado, fi prudentiel d'alem, fi benkumako, wokoni be woniri, be wallata godo, ko be oblige wallogol godo. Mi woli do mi woli tige. Je répète encore, IFDG n'a pas un contrat signé avec quelqu'un pour l'aider. Si tu as des problèmes, les partisans de l'IFDG peuvent te donner les coups de main. Mais venir parler mal d'Adjad Madalin sur les réseaux sociaux ou parler de Prudentiel Dalin, nous, c'est pas une nouvelle pour nous. L'IFDG a déjà l'habitude de voir des choses comme ça. Là. C'est pas de nous. C'est pas. Pourquoi il y a tant de vidéos qui vous m'amenez les vidéos là, pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de regarder tout ça là. Ça ne me dit absolument rien. Si on est contre quelqu'un pour lui coller un problème d'Air Guinée là, pour l'éliminer là, ça là, c'est quoi? Que les gens, ils y a les réseaux sociaux, Adjel Matoudane a fait ça, elle est comme ça, celle-là est comme ça là. C'est des petites personnes qu'on peut contacter facilement. Il n'y a pas ce qu'on appelle, quand quelqu'un a fréquenté à l'école, il n'y a pas ce qu'on appelle protocole administratif. Pourquoi on nomme un secrétaire? Dans un parti, pourquoi on nomme un secrétaire? Pourquoi un ministre nomme un secrétaire et un chef de cabinet? Ou bien l'école a servi à quoi alors aux gens? Donc, on a aussi quand on met à Raido, pour Ardo IFDGO, IFDGO ni fonds de commerce. Fala don boudi wo ko IFDG arata. Fala don inde wo ko IFDG arata. Je peux citer ici plus de 100 ou 150 même. Je n'ai pas le temps là. Ça me lance au pôle nord. Donc, argol lo adana la de vidéo qui konon dou wonani nouvelle. Ça, c'est pas une nouvelle pour moi. Mais je dis seulement, avant de juger quelqu'un, que la personne est méchante, ou il est méchant, ou elle est méchante là, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Kombo woni andao on yegiti mbudi imbe ko yetu no France do kon fi jami on yegiti du on yegiti ko goli day no ode bodo inu gol wo kambe be wallay goddo fi bu gol nasi on yegiti din video ji fo dum ko nouvel ko nouvel ni do ya nyaawo de goddo imo boni hadi nyaawa hore ma taw kude makko de wanda no kude makko de mbudi ko be jonno no mo leedo porto do yaawo jonna fi jami on lagine Grand mosquée on compte du mbudi woni. Donc je crois que doya nyaou de godo, il faut avoir la conscience tranquille, il faut avoir un c'est-à-dire des CV vierge, casier judiciaire vierge. Tu peux te permettre de parler avec n'importe qui. Donc kono fulbe woni famali taw na folamu. Hein? Fala do inde o ko IFDG arata. Fala do on gol star o ko IFDG batato ya batto takko prudentiel dalen après pop 3 mois o yalta wada santage nous ça là ça ne nous dit absolument rien et le combat continue donc akia dangola sifa des vidéos moi je n'ai pas besoin de regarder des vidéos comme ça là parce que un traître c'est un traître un hypocrite est un hypocrite. Un traître est un traître, un hypocrite est un hypocrite, un inconscient est un inconscient. Donc c'est les gens qu'Alpha Condé a donné à manger, matin, midi, soir, ils sont où aujourd'hui? Ce n'est pas les mêmes personnes qui sont avec Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qui parlent mal d'Alpha Condé, qui parlent mal d'RPG Arc-en-Ciel.
Est-ce que ça c'est une nouvelle en Guinée? La Guinée, ça c'est devenu une maladie chronique pour tout. C'est devenu une mentalité, une maladie chronique pour tous les Guinéens. Hein? 95% des Guinéens, ça c'est devenu une maladie. C'est devenu de l'hépatie. Comment je peux même qualifier le mot là? C'est devenu de l'hépatie malhonnête. L'hépatie de l'ingratitude, c'est ça. C'est devenu l'hépatie de l'ingratitude dans le groupe sanguin des Guinéens. Ça, c'est pas une nouvelle, ça. Donc, laissez tomber ça. Concentrez sur l'essentiel, là. Mais, qui était avant et qui était aujourd'hui? Donc, je pense que ça, là, ce n'est pas un débat qu'on doit venir débattre sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. Comme on dit en anglais, it's no sense. Celui qui veut rester dans l'IFDG, tu restes. Celui qui veut quitter, tu quittes. Tu quittes, il y a 4 000 qui vont venir. Tu quittes, il y a 1 million qui vont venir. Mais où est le problème? Où est le problème? Qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas fait pour Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce que Alpha Condé n'a pas fait pour Mamadi Doumbouya? Il a pris Mamadi Doumbouya comme son fils, comme son enfant, aimé Mamadi Doumbouya. Créé même l'armée dans l'armée même, force spéciale qu'on appelle aujourd'hui, qui est devenue maintenant l'armée, une armée privée en République de Guinée. Quand je disais ça aux gens ici, mini, Mamadi Doumbouya avait créé l'armée privée dans l'armée républicaine là. À Arionhola, vous avez vu la fête de l'indépendance? Moi, c'est pas la fête de l'indépendance maintenant. C'est la fête de Mamadi Doumbouya maintenant. Jusqu'à on crée même des statues pour Mamadi Doumbouya. Mais Mamadi Doumbouya, a-t-il quoi fait? Qu'est-ce que Alpha Condé n'a pas donné aux gens là? Dites-nous, qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas donné aux gens là? Ces voitures, c'est l'argent? Ils se sont tous enrichis sur le dos d'Alpha Condé. Est-ce que les gens là parlent d'Alpha Condé aujourd'hui? Ce n'est pas les mêmes gens qui sont à côté de Mamadi Doumbouya à dire qu'Alpha Condé n'a rien fait pour la Guinée. Ousmane Kaba qui disait ici une fois là, qu'Alpha, il n'y a pas ce qu'Alpha Condé n'a pas fait pour les Guinéens. C'est la première fois dans l'histoire qu'Alpha Condé a réglé le problème d'électricité en Guinée. Le même Ousmane Kaba est sorti ici, il a dit quoi derrière Alpha Condé? Même Kouyaté là est sorti, il a dit quoi? Même dans sa gourma est sorti ici, il a dit quoi? Les mêmes gens encore qui sont à côté de Mamadi Doumbouya. J'ai vu tout récemment un vieux aussi qui est sorti pour dire qu'Alpha Condé a mis la Guinée en retard. Donc, en Guinée, ça fait partie du groupe sanguin des Guinéens. C'est devenu une maladie hépatie de la malhonnêteté physique. Donc, laissez ton Adana d'une vidéo. Ne m'amenez pas les vidéos là. Dari Kouone Wolde contre Adjad Madalen et Seloudalen. Ce n'est pas une nouvelle. Il y a un wouti doum. Il y a un wouti comme aide IFDG no wouti doum. Et voilà, il y a un foule de yande. Ce n'est pas une nouvelle. Donc, tu as un réseau social. C'est nonsense. Ça n'a pas de sens. C'est le dernier wali gordo, ou wala li gordo, nous on a un problème. Ce n'est pas notre problème, ça. C'est le n'est pas là pour résoudre tous les problèmes de la Guinée. C'est le n'est pas un président de la République pour le moment. Il est un président d'un parti politique. Sa femme aussi n'est pas première dame de la République pour le moment. Donc ça, ce n'est pas une nouvelle. Regardez un exemple sur Alpha Condé. Toutes les personnes qui couraient derrière Alpha Condé, Itana Nabe, Ileleyang, Keti Infomile, où ils sont aujourd'hui? C'est les mêmes malhonnêtes encore qui sont avec Mamadi Doumbouya aujourd'hui, non? C'est les mêmes ingrats qui sont avec Mamadi Doumbouya. Le capitaine Baouri de CNRD aujourd'hui, là, Baouri qui était dans FNDC, là, regardez le comportement de Baouri aujourd'hui. Ousmane Gawal, regardez son comportement. Donc ça, ce n'est pas une nouvelle pour les Guinéens. Donc, t'en guente au débat, c'est un faux débat. Winda qui est derrière IFDG, qui a parti, c'est l'un droit qui est en charge. Benguma qui est en charge. C'est quoi d'oumine, c'est l'un qui est en charge. Si c'était ça, là, j'allais dire au président Seldalen de me prendre en charge. Même sa femme de me prendre en charge. Hein? Quel est le parti politique au monde qui soutient, qui vous a, donnez-moi le nom d'un seul parti. Je vais vous donner un exemple en Italie ici. On dormait, quand on était ici là, on galérait avec un Ivoirien là.
ceux qui sont en Italie, ici à Rome, connaissent bien l'Ivoirien là. Donc, il défendait Ouattara sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas ce qu'on ne le disait pas contre lui ici en Italie. On l'insultait, on lui faisait comme ça, comme ça. Mais quand Ouattara, il s'est battu, hein, Ouattara ne lui donnait rien. Ça, c'est un exemple. Un Ivoirien qui est à Rome ici, qui était devenu aussi ambassadeur. Il défendait Ouattara sur les réseaux sociaux. Il faisait tout, tout, tout. Quand Ouattara est devenu président en Côte d'Ivoire, Ouattara l'a nommé à Rome ici comme ambassadeur. Ouattara l'a nommé ici comme ambassadeur. Mais il n'y a pas ce qu'ils l'ont, ils l'ont pas fait ici. Les gens l'insultaient, insultaient sa maman. Les gens couraient. C'est-à-dire, on lui traitait de fou, on lui traitait de tout. Mais il s'est concentré avec conviction. Il est resté avec Ouattara. Ouattara est venu au pouvoir. Ouattara nomme Mokadi ambassadeur Italie d'or. Dans la vie, chacun est libre de choisir ce qu'il veut dans sa vie. Ça fait la landagol service. Il y a la manière de faire, pas avec l'arrogance. L'arrogance est l'ennemi numéro un d'un être humain. L'arrogance est l'ennemi numéro un d'un être humain. Atai no gol godo windani mo lettre on jabakima on dumano so jabakima o jabakima. Donald Trump est là aux États-Unis. Quand il a été condamné là de payer 150 millions de dollars, hein? La justice américaine a condamné Donald Trump, hein? De payer 150 millions de dollars. Donald Trump disait qu'il n'a pas l'argent. Non? Mais c'est ses fans, c'est les fans de Donald Trump qui ont cotisé même à, c'est-à-dire en deux semaines ils ont cotisé l'argent là, plus de 200 et quelques millions de dollars. En deux semaines. Et pourtant, Donald Trump, on sait que Donald Trump, c'est un grand patron, mais il a dit qu'il n'avait pas l'argent. Est-ce qu'il a eu honte de sortir pour dire qu'il n'avait pas l'argent? Même les riches, des fois, ils ont les problèmes. Ils ont les problèmes de financement. Ils ont problèmes d'économie, à des fois. Donald Trump a été condamné par la justice américaine de payer 150 millions de dollars dans un délai bref. C'est les fans de Donald Trump qui ont cotisé l'argent là. Ils ont payé. Ils ont payé, mais où est le problème? Est-ce que c'est Donald Trump qui a pris l'argent payé de sa poche? Non. 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 Donc, il est temps, comme disait Jacques Chirac, il est temps, le bon moment, de prendre conscience, de remettre aux Africains l'argent qu'on les a pris. Donc, il est le bon temps maintenant à tous les blogueurs, tous les communicants là, de prendre conscience maintenant là. Si vous êtes avec un parti politique là, c'est pas parce que le parti là va vous prendre en charge. IFDG n'est pas un marché international où chacun va venir s'enrichir et partir. Non, jamais de la vie. Ça, c'est fini ça. On peut pas tromper quelqu'un deux fois, trois fois. Non, c'est fini ça. Odo minatan ono fulbe wade ka hakile mon. Minio son wada li ka hakile mon. Yoto don ko fi lenyol. Wade don ka hakile mon. On a la famu de politique. Prenons un exemple sur Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas ce qu'Alpha Condé n'a pas fait pour ce délinquant là. Ce criminel là. Buveur du sang de l'être humain. Il n'y a pas ce que Alpha Condé n'a pas fait. Et Mamadi Doumbouya pensait, et Alpha Condé pensait, quand il va mettre Mamadi Doumbouya dans force spéciale là, il va rester au pouvoir à vie. Et il ne savait pas qu'il est en train d'organiser son propre assassin à côté de lui. Alpha Condé ne savait pas ça. Mais il a nommé Mamadi Doumbouya. Soi-disant parce qu'il est parti voir... Le président l'autre là, Idriss Déby. Idriss Déby l'a dit, si tu veux rester au pouvoir, il faut créer les forces spéciales. Même Ouattara a créé les forces spéciales pour être au pouvoir, c'est-à-dire pour tenir le pouvoir. Mais comme il a vu, il y a coup d'état partout, Ouattara a fait quoi? Il s'est débarrassé des forces spéciales. Donc, des fois, tu penses que tu es trop intelligent pour faire des choses. Hey, personne n'est plus intelligent que la nature. Frappe à l'œil là, on connaît le système là. Je dis seulement, si tu veux juger quelqu'un, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Il faut avoir un CV vierge. Au lieu de partir traiter quelqu'un de méchant ou de mauvaise personne là, il faut te juger toi-même d'abord. Ce que tu as fait aux autres avant et ce que tu es devenu aujourd'hui. Toute personne a des, il n'y a pas une personne qui n'a pas une histoire, hein.
Nous sommes tous ici, nous, on a des histoires. Je peux être bien aujourd'hui, demain je peux être méchant. Je peux être méchant aujourd'hui, demain je peux être bien. C'est l'histoire qui nous enseigne ça. C'est l'homme qui crée l'histoire. L'histoire n'a jamais créé quelqu'un. C'est nous-mêmes qui créons l'histoire. Donc frappe à l'œil là, celui qui veut quitter l'IFDG, tu es bienvenu de quitter l'IFDG. Quand tu sors de l'IFDG, je répète encore, je ne suis pas de l'IFDG. Même une carte de membre de l'IFDG, Mijogaki. Mais il fit un temps là, la démagogie là, de les démagogues là, ça suffit maintenant là. Ça suffit. Hadja al-Maddalen n'a pas... Et puis vous parlez de Hadja al-Maddalen, on dirait même... Ça dit, est-ce que vous vous voyez même d'abord? Prononcez le nom de Hadja al-Maddalen ici là. Ça dit... Parce que Hadja al-Maddalen a donné l'occasion même de parler, s'approcher à côté de certaines personnes, même le président Sello Dalen. C'est pour cela qu'il y a foutaise. Dans la vie, là, plus que tu es méchant, là, on te respecte. C'est le secret de la vie. Quand tu es méchant, là, tout le monde va te respecter. Voilà Doumbouya qui est en train de tuer aujourd'hui les gens. Qui parle? Personne. Doumbouya a tué son propre frère. Sadiba Koulibaly. Ce n'est pas les malinqués encore qui applaudissent pour Doumbouya comme ça au pouvoir. Il a tué Sadiba Koulibaly qui l'a remis le pouvoir même. Et Namori Traoré. Namori Traoré aujourd'hui. Oh. Donc, l'affaire de la Guinée, là, c'est un pays qui est malade psychologiquement. Ce pays-là est malade. Est composé de foutomania et de malades. C'est un pays qui est malade. C'est un pays qu'il faut refaire à zéro. Donc, rien ne va nous dire, montrer ici. Rien. Qu'est-ce que Sello n'a pas eu? Quelle tentative que Sello n'a pas eu sur les réseaux sociaux? Ou physiquement, ou psychologiquement, ou moralement. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté de faire à Sello Dalla ici? Donc, ça, ce n'est pas une nouvelle pour nous. Falado, Yalto, Inahadjal, Matudale ne m'a pas aidé. Sello ne m'a pas aidé. Nous, on s'en fout de ça. Donc, le combat continue. Tangyo, Todunyan. Falado, Yalto, les peuples sont comme ça. Les peuples sont comme ça. Il n'y a pas de problème. On a bien fait. Pagnan. Les peuples sont comme ça, on est fiers alors de ça. Vous avez compris ça, on est fiers de ça. Mamadi Doumbouya est président des délinquants aujourd'hui là. CNRD, corruption nationale, regroupement des délinquants. Ministre de la Défense, c'est qui? Un malinqué, non? CNT, un malinqué. Ministre de la Justice aujourd'hui, il a utilisé seulement Charles White et faire semblant. Aujourd'hui, c'est qui est ministre de la Justice? C'est un malinqué. Il a remplacé Charles White. Il est en train de donner la justice au Guinée. Ministre des Finances et Économie, c'est qui? Un peu, un malinqué. Ministre des Affaires étrangères, c'est qui? Un malinqué. Chef d'État-major, c'est qui? Un malinqué. On va citer ici, tout est malinqué. Tout est malinqué. Maintenant, ministre où il faut aller braquer les peuples contre les peuples, Bachir Diallo, c'est quoi? Ministre de la Sécurité, non? Parce que la plupart des Guinéens qui font des manifestations, c'est des peuls. Donc, il faut utiliser un peul contre un peul. Ministre de l'élevage, c'est qui? C'est un peul, non? Tout le temps, les peuls. Hein? D'après les autres, là, qui est ministre des moutons, comme ça, là, c'est un peul. OK. Pour venir casser la maison de Sello Dalla, ils ont nommé qui? C'est pas Ousmane Gawal, un peul, pour faire le sale boulot. Ousmane Gawal a signé, ils ont détruit la maison de Sello. Après, ils l'ont enlevé là-bas. Ousmane Gawal, il a été remplacé pour devenir ministre des Transports pour soulever le problème d'Air Guinée. Quand là, je parlais de ça, les gens ne croyaient pas. Lamine Girassi est sorti, il dit qu'on attend ça là. C'est pour cela que Gawal a été nommé, c'est pour soulever le problème d'Air Guinée. Ils ont abandonné les dossiers là. Donc c'est un système en Guinée. On utilise ton ethnie contre toi. Capitaine Moussa Dadis Camara, qui l'a trahi? Ce n'est pas Goumou et ses avocats forestiers là. Qui a trahi Dadis aujourd'hui? Qu'il se retrouve par terre en train de dormir à la maison centrale. Bala Samora se promène dans les voitures climatisées. Ce Kouba Konaté couché en France, il boit des champagnes. Qui a occasionné ça? C'est des forestiers. C'est des forestiers qui ont aidé à assassiner Sadiba Koulibaly. C'est pas les malinqués qui ont aidé Mamadi Doumbouya à assassiner Sadiba Koulibaly. Le ministre des Affaires étrangères, Ouyasanda Kouyaté, c'est pas eux qui ont organisé l'assassinat de Sadiba. On parle de quoi là? Vous allez venir parler de quoi ici là? Accuser quelqu'un d'ethnie, de méchanceté, de comme ça là? Combien de peuples qui sont devenus handicapés à vie à cause de l'IFDG? Qui n'ont rien fait?
qui n'ont rien fait même à personne, de faire seulement d'aimer une personne, c'est l'Oudalin et l'IFDG, ils sont handicapés à vie. Combien de familles victimes peuvent que leurs enfants ont été assassinés dans l'axe à cause de seulement ces loutards, parce qu'ils ont pris une conviction d'aimer seulement ces loups. Il ne faut pas aimer ces loups. Celui qui aime ces loups, il faut l'assassiner, il faut le tuer. Donc ça, ce n'est pas une nouvelle pour nous. Tandaro, il faut que birdi. Ne vous occupez même pas de ça. Oh, il y a le temps de prédence. Quand nous voulons venir à la maison, on dit que nous sommes en train. Quand nous faisons ça, on va aller. Quand nous faisons ça, problème. Mais nous faisons ça, mais nous faisons ça. Nous faisons ça, nous faisons ça. 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 Ati ala wakide doro fi IFDG ka réseaux sociaux do uri pay kunsare fo no andido blogger ya gal makongal ko fi IFDG o fayda o fodori ha pay kunsare woni populaire ni ko alla e IFDG e présidentiel dalen e parti politique donc be attaqui page on be fala makupugol page on yandi wada mabbe ko gonga kan votre totem là c'est la vérité mais c'est la vérité mamadi dumbu eté nengra c'est un système. 95% de la population guinéenne, c'est des ingrats, c'est des malhonnêtes, c'est des inconscients. La République de Guinée est composée d'un système de l'ingratitude, des malhonnêtes, des inconscients. C'est comme ça la République de Guinée. C'est pour cela que je vous ai dit, le pays-là, il faut refaire le pays-là à zéro. C'est un système. Système n'a pas rapport à la birina. Il faut soutenir quelqu'un pour avoir quelque chose. L'escroquerie mentale. L'escroquerie mentale, l'escroquerie intellectuelle. C'est de l'escroquerie mentale, c'est de l'escroquerie intellectuelle. On a dépassé ça maintenant, tout le monde est au courant. Sinon, les gens qui sont à côté de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qui ont trahi Alpha Condé là, qui parlent mal encore d'Alpha Condé aujourd'hui, mais ils sont là, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, aucune dignité humaine, aucune conscience humaine. Mais ils sont là. Pour eux, la Guinée, c'est un système. Mais on a vu aussi des gens qui sont fidèles à Alpha Condé, hein, les blogueurs, les communicants, ils sont plus de 5 ou 6 à 7 personnes jusqu'à présent, ils sont fidèles à Alpha Condé. Alpha Condé a fait quoi pour eux? Dites-nous, Alpha Condé a fait quoi pour les blogueurs là ou les communicants là? Rien. Pour terre, il n'a rien fait pour eux, pour terre. Il n'a rien fait pour eux. Alpha Condé n'a rien fait pour eux pendant 10 ans. Même une voiture, même 100 000 $, même 10 000 euros, même 5 000 euros dans leur compte bancaire, zéro. Mais ils sont là aujourd'hui, ils sont fiers d'Alpha Condé. C'est une conviction psychologique et morale et physique. Si tu n'as pas ça là, tu dégages. Tu dégages, trop, c'est trop. Vous venez vous attaquer à des gens, ça dit, quand tu vois même la façon de parler même, tu sens qu'il y a une haine. Il y a une haine. Hein? Personne n'est parfait. Mais je dis, avant de juger quelqu'un, ouvre ton casier judiciaire d'abord. Qui tu étais avant? Ton histoire. Donc, tu ne peux pas venir juger des gens ici de méchanceté ou de quoi là. Juge toi-même d'abord. Comme ce que disait l'ancien président des États-Unis, Kennedy. Il dit, tu ne dois pas dire que qu'est-ce que l'Amérique a fait pour toi. Tu dois dire dans ta tête, qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays? Qu'est-ce que tu as fait pour les États-Unis? C'était le proverbe de John Kennedy. Il a dit, ne dis pas dans ta tête qu'est-ce que l'Amérique a fait pour toi. Pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays, pour les États-Unis. C'est ça. Donc, moi je pense que quelqu'un qui a un passé sale, qui a un casier, judiciaire plein d'escroqueries, plein de mégafolies, plein de choses comme ça, là, ne peut pas se permettre de venir dénigrer des grandes personnalités comme ça. Là. Je ne peux pas se permettre de venir parler mal des gens comme ça. Et les gens là, ce que les gens là ont fait pour lui, ils n'ont pas fait ça pour un blogueur ni un communicant. Mais comme c'est un système là, quand ils sont avec un parti politique, quand ça ne va pas là-bas, c'est comme les poulets, c'est-à-dire, c'est comme des animaux qui sont abandonnés dans la bourse.
Quand tu te lèves le matin avec tes fusils, tu vas aller tuer, tu prends, tu manges. C'est comme ça. C'est la mentalité des Guinéens. C'est devenu une mentalité. C'est devenu une mentalité. Les gens qui disaient hier à fait général Lansana Conté, Alpha Condé Naïki, Beléounara, Moumouvoutema Beléoube, Asanginanga Fagnere, ce n'est pas les mêmes gens qui sont venus nous dire aujourd'hui à Bambam Faria, Alpha Condé Bambam Faria, Seroutouréa, Naraba Madi, Kamebara sur la Guinée. Vous n'avez pas entendu les chansons là. Donc le Guinée n'est pas là pour donner des leçons de morale à quelqu'un là. Le Guinée, moi, un Guinée ne peut pas me donner les leçons de morale. Si un Sénégalais me donne les leçons de morale, je peux accepter. Un autre pays, mais pas un Guinée. Pas un Guinée. C'est le système qui est, il faut détruire le système. Système de la malhonnêteté, système de l'ingratitude, système de, c'est-à-dire, je sais pas, je peux citer jusqu'à 30 systèmes comme ça là. C'est un système qu'il faut détruire. Affaire de ethnie là, il faut détruire ça en Guinée. Sur le système là. Sinon, Mamadi Doumbouya n'allait pas humilier Alpha Condé comme ça. Attraper Alpha Condé et puis lui donner même un nom. Le collier est maîtrisé, le collier est là. Malgré tout ce que Alpha Condé a fait pour Mamadi Doumbouya. Il attrape Alpha Condé, il le met dans une voiture, il le fait passer dans l'axe où il y a ses ennemis jurés même. Il le fait passer là-bas, semi-je déchiré, hein, avec des Américains, avec des snipers américains et dans une voiture sans climatiser, sans clim même. Hein? Faire humilier Alpha Condé, humiliation totale. C'est-à-dire détruire la carrière d'Alpha Condé, de 45 ans de leader Alpha Condé. Mamadi Doumbé est venu un seul jour, il a détruit l'image d'Alpha Condé. Donc, soi-disant qu'il avait considéré Mamadi Doumbouya comme son fils. Combien de fois les gens sont venus, les services de renseignement sont venus dire à Alpha Condé, Mamadi Doumbouya veut te renverser, il veut te faire un coup d'état. Alpha Condé a dit que non, Mamadi Doumbouya ne peut pas lui faire ça. C'est comme le cas de Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Quand les gens sont venus dire à Thomas Sankara, Blaise veut te renverser avec la complicité des Français là. Thomas Sankara a dit, si c'est lui qui va me faire ça là, Dieu va le juger. Moi je le prends comme un frère. Thomas Sankara ne pouvait pas croire ça. Que Blaise Compaoré, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble. Que Blaise Compaoré peut venir le trahir. On prend un exemple aussi sur Dadis, Captain Moussa Dadis Camara. Les gens qui mangeaient avec lui, les gens que Dadis avait aimé là, c'est même les gens même qui se sont organisés même pour tenter d'assassiner Dadis. Et le même Dadis est condamné aujourd'hui. Et les gens même qui ont fait du mal dans le même CNDD là, ils sont là, ils sont libres parce qu'ils sont de l'ethnie Malinké. Un Malinké ne doit pas être jugé en Guinée. C'est les forestiers, les peuls et les soussous qu'on doit juger, condamner en Guinée. Hein? C'est les Malinké qui doivent juger les gens, les condamner en Guinée. Un Malinké ne doit pas être jugé. Sinon, ce qu'on a dit ne peut pas être en France. On nous parle du procès du 26 septembre. Bala Samoura en Guinée, Idi Amin est là-bas. Comme tout récemment, là, comme ils sont en difficulté, Idi Amin est sorti ici, il a dit que le peuple vient de Tanzanie. Non? Oyana Aliando. C'est le même Idi Amin qui va venir encore nous dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il invente les histoires, il n'a même pas été à l'école. Il ne connaît même pas l'histoire de la Guinée. Il vient nous parler de Samori et Alpha Yaya Diallo. C'est-à-dire n'importe quoi. Donc, t'as un donc Arata Inogolo, Kopulo et Maninkani. C'est des histoires. C'est parce qu'ils sont en difficulté. Ils viennent de connaître Ardeko. Maintenant, vous qui croyez que Mamadi Doumbouya est devenu le titulaire de la Guinée, là, et Mamadi Doumbouya est le propriétaire de la Guinée, vous avez vu, fête de l'indépendance. Ce n'est même plus fête de l'indépendance. C'est pour cela, moi, je ne vais même pas dire bonne fête de l'indépendance. Jamais. Fête de l'indépendance de la République de Guinée est transformée maintenant comme fête de l'indépendance des forces spéciales. Ça, c'est pas une fête de l'indépendance de la République de Guinée. C'est faux. Mais allons-y seulement. Allons-y seulement. Mamadi Doumbouya ne peut pas prendre les Guinéens comme des imbéciles. Il ne peut pas condamner les Dadis, les juger sur les mêmes faits. Lui, il va venir s'accaparer encore du pouvoir aujourd'hui. Qu'il va modifier l'article 46 que lui-même il a créé dans ses propres chartes privées. Il vient nous interdire la manifestation à son article 8. Qui avait écrit ça pour lui? Il va venir maintenant nous dire de modifier l'article 46. Il ne veut pas encore respecter. Il a prêté serment devant les gens.
Mais demain, je vais venir vous montrer les débats là. Je vais vous montrer qui était Moussa, capitaine Moussa Dadis Camara et qui est Mamadi Doumbouya. Vous allez comprendre la différence. Hein? Mamadi Doumbouya a prêté serment devant le monde entier sous la charte de l'article 47. Ce n'est pas ce qu'il est en train de violer aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que l'article 47 a dit? Hein? C'est lui-même qui va juger les gens après avoir assassiné plus de 250 personnes. C'est ça, j'ai dit que la Guinée, là, c'est un pays maudit. Je suis sorti ici, là, j'ai dénoncé ça. Comment Mamadi Doumbouya va tuer les gens? Plus de 200 et quelques morts. Et il va prendre le procès de 28 septembre encore, dire qu'il va juger les dadistes. Et tout ça, là encore, la complicité aussi de la France. Tout ça, là, c'est la complicité de la France encore. Il faut venir parler de l'histoire de 28 septembre. Comme 95% des victimes de l'histoire de 28 septembre, c'est l'ethnie Peul, ils seront avec toi. C'est comme le cas quand il a fait le coup d'État, Sélou l'a soutenu. Bambeto Lax a soutenu Mamadi Doumbouya. Pour lui, il est bien assis aujourd'hui. Hé, hey, Mamadi Doumbouya, tu ne connais pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu et le pouvoir de Dieu. Vous n'avez rien compris. Vous ne croyez jamais à faire de Dieu là, mais vous serez surpris. Allons-y seulement. Si Mamadi Doumbouya peut juger les dadistes, les condamner devant le monde entier, il prête serment en bas de l'article 47. Il dit dans son article 46 aussi, ni lui, ni quelqu'un d'autre, ni un membre de son gouvernement sera candidat. Il va violer maintenant la charte que lui-même il a inventée en privé parce qu'il n'a pas consulté un Guinéen pour écrire la charte là. Maintenant, affaire de projet de constitution là. Je vais venir vous dire les secrets demain. Je vais venir vous dire. Quand ils sont en train de dire réviser une constitution, là, hey, c'est des enfants. Vous rêvez. Dans sa courroie, vous rêvez. Vous allez tous tomber dans votre film hindou là. Vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est comme ça qu'on parlait aux gens d'Alpha Condé. Le mois d'août 2021. Quand je suis parti à l'aéroport là, je disais à Kassori, il faut démissionner avant qu'il ne soit trop tard. Dieu est en train de venir vous faire honneur. Il y a un nouveau vent qui va venir en Guinée avant le 15 septembre. Ma vidéo là existe. J'ai dit, il faut démissionner. Kassori, vous allez regretter pourquoi vous êtes accroché à Alpha Condé. Démission Kassori. L'humiliation, il y a un nouveau vent qui va vous taper là. Vous allez regretter. Vous allez regretter même affaire de troisième mandat. Là. Laissez Alpha Condé. Les gens ne m'ont pas écouté, ils m'ont insulté, ils m'ont traité de fou, non. 5 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? 2021. Le dimanche. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui est venu humilier Alpha Condé comme ça. Où sont les Kassori? Où sont les Kassori en prison bientôt 3 ans? Sans preuve d'accusation, non. Sans preuve d'accusation. Les démagogues là, voici Kassori Fofana qui est en prison là-bas, qui est sous. Vous parlez de l'affaire d'ethnie là. C'est-à-dire, mais Ifan, Adam a dit nous le Kyoki, Ifan Rayagi. Adam a dit la Rayagi. Kono Yagi tambara findi la Guinée, la sili fenana. La Guinée rimu Yagi mu findi ma la silira. Kassori na nagi elenaki. Kassori misara, Kassori fofana, sosu ramara. Au fata wende etni fera, au mabalan. Kassori na nagi elenaki. Ou mini ba wa manifeste wa fada dumbu ya ba Kassori la bolo. Hein? Commandant Ali à Camara, il est où aujourd'hui? Commandant Ali à Camara na minde. Na mangé à Dongo à ce Doumbouya. Il est où aujourd'hui? C'est pas lui qui a pris le pouvoir. Il a remis à Doumbouya. En tant qu'honnête, pour lui, Doumbouya, c'est son grand. Où est commandant? Où est le. Comment on appelle l'autre là? Marcel. Pas Marcel, l'autre là. J'ai oublié son nom là. L'entraîneur de Mamadi Doumbouya là. Le forestier là. Qui a pris le pouvoir aussi, qui a remis à Mamadi Doumbouya. Où il est aujourd'hui? Où est M. Célestin aussi aujourd'hui? Où est Sadiba Koulibaly? Où est Namor Traoré? Toutes les personnes là, Mamadi Doumbouya, il s'est servi d'eux, c'est fini. Mamadi Doumbouya, je vous ai dit, c'est un Colombien noir. Il se sert de toi, après il te laisse. Mais vous n'avez pas compris. Maintenant, tour des diamants là. Voilà. La famille, je vais vous donner la nouvelle là aussi. Mamadi Doumbouya ne fait l'argola de gouvernement qu'est-ce que Gentelan très bien. Au gouvernement que son nom Yoni ko fala kon ko jetto gol kadi bandira o men debbo pullo non mon premier ministre. Himo sikude wada e dum fo que les gens vont l'écouter.
On yi tou récemment ko yey ka be hajabe do neni rabe men o yey o jodi ka salon o jetti ngirindi o nyami moy wobbe no yalta do Mamadidou Mbuye aime le peuple Mamadidou Mbuye aime le peuple para Mamadidou Mbuye aime le peuple Mamadidou Mbuye aime le peuple Mamadidou Mbuye no hedi lenyal pullo famille ya o jugol campagne ko wano ko wadono kon o debbo mo bemu mayuno kunjiu mo bemu mayuno kona kri do o yayo jetti on o adopti kunjiu o sodi galle be yayi joda gole den galle don wadan gol Mamadidou Mbuye torande Allah yon yigiti on yigiti on video kadika Mamadidou Mbuye no hidi lenyal pullo o bato yayi kabe ha jabe andono be fi secture o yayo jetti o banti bamarini o jodi ke o nyami do o wargol campagne wo sadi he Mamadidou Mbuye sa fala j'étais déjà dit do yo nomu de bawuri mi wala non e be ketade no nomira bawuri fiargol combat a selu dalem mi wala non ka wadala in somen après be nomi bawuri mi wala non ci Mamadidou Mbuye mi hala ne so fala yo nomu pour le faux ministre dum wadata imbe ben iwa bawo selu dalem lam ngu hika ma ko selu jodo kala lam ci be mari balde kela si lagine do butay. Pour avoir la paix dans ce pays-là, il faut que Selou soit président de la République. Vous n'avez rien compris encore. Selou ne sera pas président. Selou est comme ça. Et Mamadidou Mbuye. Regardez-moi un farfelu comme ça. La fête de l'indépendance. On prend statut des démagogues comme ça. Statut de ces criminels-là. On fabrique des statuts d'un criminel comme ça. D'un nazi noir. Mamadidou Mbuye est un criminel. Est un nazi noir. Pour faire défiler de la fête de l'indépendance. Ce statut de Mamadidou Mbuye que vous allez, qu'ils vont faire passer devant les gens. Eh non, le pays là est maudit. Dia a quitté la Guinée depuis. Allah y vino la Guinée. Qui l'a dit? Qu'au statut Mamadidou Mbuye avec Etata Yoni. Hein? Wano Hitler. Hein? Wano Leopold II. Qu'au statut Mamadidou Mbuye avec Yoni. Etata, effectivement, c'est-à-dire des démagogues comme ça là, vous n'avez même pas honte, des criminels. Ce criminel-là, maintenant, à la fête de l'indépendance, il faut faire défiler statue de Mamadidou Mbuye dans Kaloum. Le pays-là, je vous ai tout le temps dit, la guerre civile que vous êtes en train d'organiser pour ce pays-là, cette fois-ci-là, il n'y aura pas de sacrifice. Ça va arriver. J'ai dit ça plusieurs fois. Il y a des gens qui ont dénoncé ça avant moi-même, qui ont signalé ça. Ça fait deux ans et quelques, bientôt trois ans. Il y a des gens qui ont parlé de ça. Moi aussi, j'ai vu la situation, j'ai compris que c'est possible. Cette guerre civile que vous êtes en train d'organiser là, je vous ai dit, personne ne sait comment une guerre finit, mais comment ça commence là, nous tous on peut comprendre, mais comment ça va finir la guerre, personne ne sait. Donc on a aussi, on a effectué des réseaux sociaux d'offi contre ces loups d'Alain, tant considérez-le. Dans les vidéos, on fait inonyan. Quand nous on y va aller, c'est loups d'Alain Bourilou. Kono be wada ali selu dalen buri dum gente lan do kadi lan fala wolu gol hala do concernant mobe men ben e der futa jalon be mobe men kadi yalto be ka réseaux sociaux do wola fi religion fi wolu gol piji mi tori ke mobe futa ben fi Allah hotan nabijo mi tori ke on fi Allah hotan nabijo akke yalto gol ka réseaux sociaux do wola ngol lenyol fulbe piji ko alana wonana mi tori ke on fi Allah hotan nabijo kono ono mabe futa ben wauno hande jodagol wola no gonga Mamadidou Mbuye ko woni wadde lenyol fulbe ben kon nani duwa wadirede en fo ko ngine coordinateur hali kulal ko ben fo duano mobilisade hande inna masi ludale nata lagine masi dia nata lagine me on yi joni ko imambe ben yata wadangol ay campagne Mamadidou Mbuye miu mobe men gono yalta mawbe go me andas ko hono duin ko ustas be ka ko khalifa be me andam no duin nirte pula mi video mabbe on ka réseaux sociaux hakune mo yalla est ce dum ko golle ko mako bano wo joni sa yi goddo no jetti telephone mako wadi code ka der telephone mako wo haray mo sudude goddum est ce dum no windi e deftere ka mawbe men wu representant be dina l'islam ko ben arata ka réseaux sociaux if yettugol wolugol sifa ɗin piiji est ce que ko ɗum duwa wonugol haaju maɓɓe fewdo ɗo
kono be duwa wadugo lande kono be wallira leñol pullo no hettiro la Guiné leñol pullo no wadirte hara araka warede la Guiné hande kadi wanayi wadami ko dun duwano wadde ka hakkille mabbe nargol ka réseaux sociaux do wo si goddo jogi ke telephone o wadi ko ka der telephone mako ara ko goddum o woné soudude e Allah lan e Allah lan est ce ko dum woni golle moko ba leñol pullo mawbe jangube dina l'islam deftere ha firi ha kipini ko dum duwa wonugol projet mabbe argol wala ka réseaux sociaux fi sifa dim pigi hakkune mon Allah onon kadi acce seeda acce seeda teddino golle leñol fulbe be est ce aden jangudo alqur'ana aden wolo duma fi dina l'islam no do argol wola fi réseaux sociaux hakune mo ala ko onde réseaux sociaux créa ka facebook do dum wadi dubi no ga gila facebook yalti est-ce que facebook no winda e deftere argol jodo do ina do joni himbe buino jogi telephone ji mabbe din himbe wadi code ton kon nu inete vie privée français vie privée ala. Donc si vie privée ala donc par exemple kala nyombudo bengumako donc jijo nabay délégué ma nabay gendarme police judiciaire ya jodo ina yo daro ko fondu feyeta hakunde kare bengumako de nyande jemma hakune mo Allah est-ce que ko dum woni débat fendo do ka mawbe men jangube alqur'ana ka yaltata wola fi téléphone wo goddo si jogi ke téléphone hay wobe no wadat ner ton code ko dum woni ala code der waduna Allah ko dum woni ender ko non go jangal alqur'ana ko dum woni ala sutura hande ko dum be nata sutura si goddo je ti téléphone mako o wadi to no atia wa je tugol téléphone ma joni secret ji ma boyno ka téléphone ko falda sudugol yani himbe buy ketay kaydi ji buy dossier ji buy wada pdf pdf wada dun ka telephone mabbe kaydi ji si goddo no jetti on telephone mabbe o jimo be yebe joni goddo malako mo ko telephone wala ko dossier secret par exemple ko marda don ko fona on tigi ketay dun publia na hare secret man fo yalti menem men yamira sari mabbe futa jangugo alqur'ana yo al kare sociaux do wolangol men fi telephone innugol code no der telephone wobe ida mo ida no suda telephone code makko wo haray on tigi koni dun na golle moko bal futano na golle mon non on tertoto dun so wawno wolde fi dun yelte do ka réseaux sociaux inno mamari dun buya ko woné warde Guiné be ben kon c'est pas bon o wari do Sadiba Coulibaly on yaltale wolo non dun o wari do Célestin on yaltale on woldum fonike mangi hande an biloba hay goto andan to be woni on yaltata wolondum selu dalen ala la Guiné ande sidi ala la Guiné on yaltata wolondum ça veut dire quoi ça dun na golle mokoba leñol fullo na mokoba leñol pullo doata yaltugol ka réseaux sociaux wolon fi réseaux sociaux inu golon woyon jangi ka di alqur'ana yon andi li dina l'islam dun na golle mon c'est pas votre travail ça ko woni golle mon do c'est pour venir donner des leçons de morale à Mamadi Doumbouya ko woné wadde la Guiné ko la Guiné na bem makko je la Guiné so warayon yo waron so warion o tawayton Allah ko non doa wonde golle mon lui dire la vérité ko leñol pullo wona wadé le la Guiné ko hande c'est pas normal dun yo hadir ni no fi leñol pullo no wolirda o hore ma musete ndare hande la Guiné bawori nono do Mamadi Doumbouya no wadi 2000 km ou lawol la Guiné. Regardez comment est l'état des routes en Guinée aujourd'hui. On a là où les rumeurs pendent. L'abbé d'Alaba, Cancan, Boké, Conakry déjà, il y a un Conakry tel un Dibré Kama, quoi y a un Dibré Kain, Daré là où on go. Il n'y a rien en Guinée, nous faisons rien. L'injustice, il y a un kidnappé, il y a un furté, il y a un waré, il y a un waré, il y a un justice à la fousse. On a l'état de l'on en quoi n'y a. Wargol wala na men ka réseaux sociaux do ana ko réseaux sociaux jango don ka deftere réseaux sociaux le winda ke deftere gila la yal tagi li dina l'islam alla tagi deftere ha hande alla wala fi réseaux sociaux kander deftere no alla no ma ka ton kander deftere fi dina l'islam no ma ka ton justice
justice ko porto be ni natande justice fo dum fo ko en der deftere yi dum fo saria fo ko en der deftere yi en der futa jalon français ben tigiri no andi en andi no democracy en andi democracy buri ay français ben futa jalon ko berno français ben ko arno do ko do idi amin yalta tan wala na en wo samori touré sadi n'importe quoi himbe nono ya jodo gento dum konto konto idi amin jangi on histoire konto idi amin jangi on histoire lengol pullo ko hon no ko fi hon dum himbe kankan ben hida himbe farana ben hein ko samori touré getta no be maninka be ya 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 be futa jalo hein on yegite on histoire mais be volanta on histoire hmm? Ko samori touré getta no maninka ben ya 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 en der futa jalo dum fo on yegitino so nani be na wasolon fula kan hala wasolon fula fo ko dum iwi wasolon mi weltine ke do kan wasa yorola ko dum be natay maninka men da no wolete pula kan wasa yorola men da no dum nete pula kan wasa yorola wano sa enni do welila bay non kambe ko addabe igol maninka ka maninka men mandeng samori getti be addi be jonni fulbe men ko dum non fulbe ben inni kan hala don koli benni wasolon fula on fami ko andugol andingol jamaa kambe ko be arbe iube telenka mandeng arde den lenyol futa jalo ko dum be wadi kan hala wasolon fula mi halani on en example do mi wolani don dum min jeme au defi tous les grands intellectuels guinéens ou écrivains là yo be hala na pourquoi kon an créé ko kan militaire gidi di wonton ko kan alpha yaya jalo e kan samori touré mi wolani on dum min jangube histoire la guinée yo be arbe wolana lando ko fi hon dum en der kon an créé den kan gidi di don ko samori touré alpha yaya jalo fiyo non oya samori touré ko kalum woni fiyo non oya ko tellema ka laxe to woniri hein ka fulbe mo woniri to fiyo non alfkan alfa yaya ko ton woniri on fama yon histoire fo ko idi amin yaltata do mamadi dumbu yaltata do ya nyama ka bandiraw men wadu gol campagne campagne wo mamadi dumbu ya no hidi pour fulbe yona yon simo hidi fulbe ko fulbe ngelu mamadi dumbu ya wari gila wari 62 plus de 62 victimes. Tout est l'ethnie peul foko lenyol pullo alpha konde woltako sekuture ko no halete donc au système il faut combattre le système là kambe ko woni lagine wo lamu ko lamu ko maninka ko dun do den combattre de ndare hande der mamadi dumbuya alpha konde c'est la même chose tant d'alpha konde ça n'a rien changé mamadi dumbuya tout ce qu'il est en train de faire en Guinée aujourd'hui il a copié tout d'alpha konde. Autant d'Alpha Condé là, parce que le faux, tout était quoi, malinqué. Faux comme Maninkano. C'est le même système que Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est lui qui a assassiné les gens pour Alpha Condé, non? C'est lui qui était l'agent secret de Alpha Condé. Quand le groupe m'a fait un l'axe, fait la yme, warabe. Donc, je suis dit que je suis dit que Mamadi Doumbouya a organisé l'élection. Mais sous ça, t'as eu le gol. Ibe huli Allah, ibe susi Mamadi Doumbouya, me be hulata Allah. Be huli Mamadi Doumbouya, me Allah be hulata Allah. Mamadi Doumbouya non, ibe huli mo, wasiko, me anda hondo, me ibe susi Allah. Kondon, wawata daragol wola na Mamadi Doumbouya gonga. Ko argol wola na mendo réseaux sociaux, si godo wadi telephone mako, wadi kodone, dunko hondon non, ça va changer quoi. Mene men falaka nan gol tifa ding halaji. Ala yi komen duana nirgol maudo futa hande jangudo algurana si wola e fi dina l'islam. Ka mikroji ka rezo sosyo do. Koyon wola o guvern o Mamadi Doumbouya gonga kan kya pantati yon wola tombe. Yo organize election o te dina kongol ma kongol 5 septembre. Ko siwa ben yimbe mene men fala ka rezo sosyo. Wola no Mamadi Doumbouya la verite. Dare kretien be bendo. Regardez les chrétiens qui sont en République de Guinée. Est-ce que cela, Mamadi Doumbouya peut voir un chrétien, un prêtre ou un pasteur d'aller faire campagne pour lui? Jamais. Il n'ose pas. Mamadi Doumbouya n'ose pas parce que les chrétiens sont honnêtes. Ils disent la vérité à Mamadi Doumbouya. Combien de fois les religieux des chrétiens sont sortis ici, crasser la vérité à Mamadi Doumbouya?
Parce que Mamadi Doumbouya ne peut pas tendre sa main aux gens là pour lui dire de faire campagne pour eux. Non, eux ils ne sont pas dans la démagogie là. Les chrétiens de Guinée là, vraiment je les respecte. Et pourtant on dit un pays 90% de religion musulmane. C'est nos imams là qui vont aller jusqu'à zéro pour faire campagne pour Mamadi Doumbouya. Pour aller sensibiliser les gens. Est-ce que nous sommes en guerre? Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir. 280 millions de dollars que Mamadi Doumbouya a dépensé pour acheter des armes. Depuis combien d'années ils sont en train de dire ça? Vous avez vu la soi-disant la fête de l'indépendance. Ça, ce n'est pas la fête de l'indépendance. Les voitures de guerre, là, les blindés, là, ça sert à quoi? 280 millions de dollars d'armement en 3 ans. Les professeurs, les fonctionnaires n'ont pas de salaire. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'électricité, rien. Des démagogues comme ça qui sont venus. Les projets d'Alpha Condé sont venus anticiper ça vite, vite, vite pour endormir les gens, pour dire que Alpha Condé n'a pas travaillé. Et tout ça, là, les projets, là, c'était les projets d'Alpha Condé. Ils sont venus en précipitation pour chercher des campagnes pour Mamadi Doumbouya. Mais hey, petit Jordan, tu te fatigues, vous vous fatiguez. Je vous ai dit, la guerre civile que vous voulez chercher en Guinée, là, ça va rentrer. Gardez ma vidéo là. Hein. Oh, guerre civile, comme Mamadi Doumbouya, on est organisé pour la Guinée d'or. Les armes que tu as achetées là, avec l'argent des Guinéens, plus de 280 millions de dollars. Un délinquant comme toi, tu tues les gens, tu es le premier à juger les dadistes. Un criminel comme toi, un sanguinaire comme toi, c'est toi qui vas venir acheter les machines de guerre pour cette population. Vous montrez ça sur les réseaux sociaux. Tu penses que ça, là, ça peut effrayer les gens? Dadis a fait plus que ça. Dadis, pour quitter quand ça a mouru là, jusqu'à quand Alphaya, Dadis marchait avec 2000 personnes, l'hélicoptère en haut. Où est Dadis aujourd'hui? Hein? Où est Dadis aujourd'hui? Tu penses que tu es trop fort? La fête de l'indépendance, on fabrique des statues comme ça, d'un Satan, d'un criminel comme ça, là, pour des... Et puis, Andon, c'est pour une affaire d'ethnie, là. Regardez bien la vidéo là. Kobe one tiru go sati Mamadi Doumbouya gente kobe one wole ko emaninka. Gente kobe one wole go ko emaninka. Vous pensez que vous allez maninkatiser le pouvoir là encore cette fois-ci là en plein 21e siècle. Ça c'est fini ça. Donc ce qu'il veut sortir pour parler mal de Selo Dalé Hadji Almatou Dalé, ça c'est pas une nouvelle pour nous. Continuez même, bravo, continuez même à dire plus que ça. Selo Dalé a eu, ça, on a parlé de lui plus que ça. Mais il vit, sa femme vit, l'IFDG existe. Voilà, l'IFDG existe, le parti existe, le président vit, sa femme aussi vit. Et tous les militants de l'IFDG, quand un va sortir, il y a 40 qui vont sortir, qui vont rentrer, ou 2 millions qui vont remplacer celui qui est sorti là. Donc nous, on n'a pas ce problème-là. C'est le parti politique le plus puissant aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas un parti politique aujourd'hui qui est plus puissant que l'IFDG. Donc nous, on s'en fout de ce que les gens disent, racontent sur les réseaux sociaux. Je dis seulement, quand tu veux parler de quelqu'un, c'est l'homme qui crée l'histoire. L'histoire, c'est nous. Quand on étudie l'histoire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une histoire qu'on se rappelle de ce qui s'est passé. Alpha Condé nous parlait du troisième mandat, non? Alpha Condé nous parlait de programme de 2060, non? De 2070, non? Donc ça, là, ce n'est pas une nouvelle pour nous. Sortez, parlez mal de Selo Dalé. Ce n'est pas une nouvelle. Ça ne nous choque personne. Tout le temps, choque on a égoté, mais quand nous voulons aller, on aura Selo Dalé. On qui peut avoir des avions. Alpha Condé, il y a des avions, il y a des avions, on nous fait humiliation, on nous met en avant dans le Selo Dalé. Donc, nous avons un fousse. Mais il y a un loca qui nous vole, bon, il y a des vidéos montage. Donc, il faut y aller. Donc, on nous met en avant dans le Selo Dalé, m'a pas aidé. J'appelle sa femme, j'ai écrit la lettre, j'ai fait comme ça. Si tu veux, tu peux écrire même 50 millions de lettres. Ça ne veut rien dire. Et Selo Dalé n'est pas obligé de répondre à quelqu'un quand tu lui cherches au téléphone. Ça, ce n'est pas écrit dans le code d'ontologie électorale. C'est pour cela, quand tu es président, tu dois avoir un secrétaire. Quand tu es ministre, tu as un secrétaire, un chef de cabinet. C'est ce qu'on appelle le protocole administratif. On ne peut pas aller directement comme ça, n'importe quelle personne qui se lève comme ça, il veut parler avec celle, il prend le téléphone,
Donc ces lots d'alain est devenu tombola quoi. Il faut faire du tombola avec ces lots d'alain. Nous on a l'habitude de voir ça là. Mangian Sidibé, il n'y a pas ce que ces lots n'a pas fait pour Mangian Sidibé. Il est où aujourd'hui? Ousmane Gawal, il n'y a pas ce que ces lots d'alain n'a pas fait pour Ousmane Gawal. Il y en a plein, je peux citer plus de 100 ou 50. Nous ça là, ce n'est pas un problème pour nous. Mais ce qui reste clair, ce qui compte dans la vie, c'est la dignité de tout un chacun. Moi, je ne suis pas là pour défendre, je ne suis pas de l'IFDG d'abord, je dis ça tout le temps. Je suis là seulement, je défends la cause guinéenne et je défends le président Seldalen. C'est tout. Tout le reste là ne m'intéresse pas. Qu'il me donne de l'argent, il ne me donne pas l'argent là. C'est une conviction. Je vous ai donné l'exemple de l'Ivoirien là, qui défendait Ouattara ici. Non? On lui traitait de fou. Ouattara est devenu président. Ouattara l'a nommé ici comme ambassadeur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Hein? L'IFDG n'est pas marchandise de quelqu'un. L'IFDG, c'est un parti politique pour toutes les ethnies. Pour toutes les ethnies. Celui qui veut venir, il vient. Celui qui veut sortir, tu sors. Celui qui veut aller voir Mamadi Doumbé à CNRD, comme les gens là ont flot d'argent, là, la Banque Centrale, Ousmane Gawal nous a dit que c'est la première fois dans l'histoire, la Banque Centrale est tellement remplie de l'argent. Tu peux aller là-bas, Ousmane Gawal et Mamadi Doumbé vont aller prendre de l'argent pour venir te remettre. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout du matérialisme là. On s'en fout de ça. Celui qui veut l'argent là, il faut aller voir le CNRD. Voilà. Et ils achètent les gens. Mamadi Doumbé a créé des blogueurs ici là. Où sont les blogueurs là aujourd'hui? Parce qu'ils ont trouvé que c'était un faux type. Où sont les communicants de Mamadi Doumbé aujourd'hui? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Qui sort sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui défend Mamadi Doumbé? Personne. Où sont les blogueurs là? Personne. Parce qu'Amara a dit qu'il n'y a pas l'argent, non. Amara a dit, ils ont commencé à dire 500 millions de francs guinéens, une voiture sortie d'usine 4x4, un bureau bureau climatisé. Amara a dit qu'il n'y a pas l'argent ici à partager. C'est fini. Où ils sont aujourd'hui? C'est un système en Guinée. Tu suis quelqu'un à cause d'un intérêt personnel. Nous, on n'est plus dans la démagogie là. La démagogie là est finie. Ça, c'est fini, ça. Au lieu de chercher à manifester pour qu'on Mamadi Doumbé laisse Kassori Fofana et les détenus politiques de Mamadi Doumbé. Non, c'est pour tout votre problème en Guinée, c'est Cello. J'ai fait ça là. Pour vous, quand vous allez venir parler de Cello, là, nouvelle Mounaki, ça, c'est pas une nouvelle pour nous. Et bara Cello n'angeli kana, amouké kirabara. Amouké kirabara, Cello d'Alena. Cello d'Alain n'est pas un pilote qui va prendre tous les Guinéens là, les amener tous en Europe ou aux États-Unis. Cello d'Alain n'a pas l'avion privé où il va faire rentrer tous les Guinéens, les déposer au Canada ou en France ou partout dans le monde entier. Cello d'Alain, il n'est pas pilote. Lui aussi, il est en train de mener un combat pour avoir le pouvoir pour changer notre pays, pour changer la Guinée, c'est tout. Si Cello d'Alain était une méchante personne là, méchant, si Cello était méchant comme ça là, on était dans la guerre civile aujourd'hui. Depuis, si Cello d'Alain n'aimait pas la paix en Guinée là, si moi j'étais à la place de Cello d'Alain, mais on allait diviser la Guinée depuis. On allait dire chaque jour, il y a eu combien de morts. Comme ce que c'est ce qui aiment les Occidentaux là. Quand il y a la guerre dans un pays, la guerre civile là, RFI, BBC vont s'asseoir, oh, en Guinée aujourd'hui, même si on tue 5 personnes, ils vont dire 400 morts. 600 morts. C'est leur système, non? Hein? C'est leur système. Donc, Kodoumi Falano, Olangolo, Harim Falaka, Wadelay, Patiko, Gioni, Imbe Bouyadanila, en vidéo, Minibe, t'avais considéré en vidéo. La vidéo-là n'a rien à voir. Ça n'a pas de sens. Falado, Yaltodo, parler mal de Adjal Matou Dalin, c'est pas une nouvelle. On y est où, Tidoum, Moutambar Darnara. C'est le Dalin, Relignan, il fallait faire réseaux sociaux, Moubar Darnara. Moubargi Dardara, Doni Nara, Fomunamasu, Moufatema, Alo Touré. Parce que quand si Touré Mara, mais Doni Nara, Fafé Béasse Loudalen Relikana, Mire Nambara Raba, Nire Dangira. Mire Nambara Raba, Nire Dangira, Ivara Raba, Hebara Dang, Hebara Gbiling. Donc ça, c'est pas une nouvelle. Continue à gâter son nom, même sa femme, il n'y a aucun problème. C'est pas une nouvelle. On a l'habitude de voir ça là sur les réseaux sociaux. Donc, partagez vos vidéos quand elle groupe, il faut l'enhir, il faut qu'elle a un tir dans le temps. Tant que vous avez dit 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 que c'est fini. Terre est colloquée, il faut que birdi birdi. Fab ko birdi birdi. Mobe ko wadi wo hetayo lakara e aduna.
mobe ko wadi Alpha Condé nado imino do tamping tampini lenyol fulbe fulbe tampini Guinea o yima mari dum biano nangirno mo wawujo ka gusi mo nade mo otowal seki dolo ke makon ini wo mamadi Alpha Condé onino bagage no dimo koli dum fo wada ali yesamo na golle ala no 43 janvier en der l'armée fi yo wonu kala mo anyande o may Alpha Condé na mamadi dum bi adi wadi décret on abi fo ka retraite anticipée don dum fo ko non ko selu wadi dum ko dole ala wadi dum na dole ay goto don terte o birde birde so fala yo yalto kadi jango yo yalto kadi wada video partage abori dum nous on s'en fout de ça. Notre objectif là, c'est comment Selou va récupérer le pouvoir, c'est tout. Oui, Selou ne va pas avoir le pouvoir. Tu es Dieu.